Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Couscous, j'ai un petit son pour toi là-bas. Tout le monde me dit ça. Ouais, je le sens bien pour toi celui-là. Ouais. Tu sens trop couscous faire ça. Couscous, il y a ton nom dessus. Ouais. C'est gravé dessus, couscous. C'est beau, il m'a dit ça. Bah, il dit alors, enculé. Yeah.
ça doit, ça va se jouer à pas grand chose. Là aussi, Antoine Maloire, c'est le finish, petit message de Worms. Antoine Maloire, deuxième temps. Au passage, avec les spectateurs, tous les spectateurs, puis Romain Perrault. Damien Spagnolo ici, il y a une minute ou deux d'écart, normalement au passage à la flamme là-bas pour Fabien Barrel. Damien Spagnolo devrait finir juste derrière Fabien Barrel. Vous pouvez les encourager, vous pouvez les donner l'envoi maintenant pour Damien Spagnolo. Damien Spagnolo pour essayer peut-être de réaliser une deuxième temps. Damien Spagnolo. Et attention, attention derrière. Ici, Michael Pascal qui était déjà là en 1995, il avait pris la deuxième place du championnat de France. Et attention pour Michael Pascal, rien n'est fait, c'est lui qui avait le meilleur temps intermédiaire. Michael Pascal, j'aimerais vous entendre tous, l'encourager là-bas, il passe sur le panneau d'affichage. Tous les spectateurs ici, Val d'Isère, donnez de la voix pour Michael Pascal. Michael Pascal, attention peut-être pour... N'améliore pas le temps, Fabien Barrel, le champion de France, qui va arriver dans quelques instants, il passe là-haut sous la flamme, Fabien Barrel, il y aura Damien Spagnolo et Michael Pascal ensuite, le temps de Fabien Barrel pour le moment 3 minutes 47, le meilleur temps à battre, 4 minutes 04, je vais vous entendre tous pour accueillir le grand monsieur de la descente au niveau national, c'est le moment de la motivation. Bah écoute, c'est ouais, course le week-end prochain. Ouais, c'est pas la moindre. Ouais, donc j'ai une course en amont, donc c'est pas vraiment ma dernière course. D'accord. Parce que je vais courir à Sydney le week-end prochain avant le Major. Maintenant, moi, c'est une vraie course de haut niveau. J'ai énormément de respect pour tous les gens qui roulent en coupe de... Pour moi, ça a toujours été très difficile. Je n'en ai pas gagné depuis le début de l'année. Ça a été très difficile et j'aimerais vraiment que... Donc, tout le monde passe une ovation pour Michael qui a été extrêmement régulier tout au long de la saison. Et donc un grand bravo à lui parce que ça compte. Voilà, constance exceptionnelle pour Michael Pascal. Il demande le temps pour son adversaire. C'est mal de temps et c'est tout ça. Michael, bonjour. C'est un bel hommage. Attends, on va faire comme ça, ça ira peut-être mieux. Non, super bel hommage de Fabien. Merci. Ouais, bah, il a gagné, moi je fais deux. Je jouais surtout le classement général. J'ai vraiment envie de faire des points aujourd'hui et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc ça reste une très belle performance. Ça reste une très belle performance, d'autant plus que tous les deux, quand même, vous êtes des grands champions au niveau international. Je ne vais pas rappeler tout le palmarès, mais vous êtes habitués à fréquenter la caisse sur les Coupes du Monde ou Championnat du Monde aussi. Et ouais, bah, on se bat tous les deux depuis 1995 qu'on avait roulé ensemble ici. Il avait gagné en cadet, j'avais fait deux, on remet ça aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a les championnats du monde dans deux semaines, donc il fallait vraiment pas se blesser aujourd'hui, donc assurer un tout petit peu. Donc c'est bon, aujourd'hui c'était vraiment une course, on va dire une course d'entraînement, entre guillemets, pour peaufiner peut-être quelques sensations au niveau physique, au niveau du matériel. Bon, ça sera pas la même piste là-bas, il y aura moins de pente, mais ça fait faire une dernière course, on est là-bas pour moi. Très bien, merci beaucoup Michael Pascal, vous l'applaudissez bien fort. Et puis belle baston avec Damien Spagnolo, bah c'est toi qui vas avoir le mot de la fin sur cette interview ici, tes sensations toi aussi. Ben moi j'ai pris beaucoup de plaisir tout le week-end, je ne suis pas du tout venu pour le classement général ou le championnat du monde, je suis venu pour me faire plaisir, m'amuser. Et c'était vraiment un week-end parfait, une superbe organisation, un tracé magnifique, donc vraiment que du plaisir. Ça ne s'est pas trop mal passé, avec Reddy je fais 5 donc bien, une bonne passe. Et en final j'ai fait une petite chute là sur un petit virage à la con, du coup je suis passé devant. Et bon j'ai fait une petite chute, j'ai pas mis longtemps à me relever, mais bon je laisse facile 2-3 secondes à la bataille. Je fais 5 aujourd'hui donc c'est correct, c'est bien. Et là j'attends parce que là en général ça va être serré, j'étais 4 avant de venir à 4 points donc là ça va être juste. Donc, j'aimerais bien voir les classements là, ils sont pas encore arrivés donc j'attends. Trois pilotes de très très haut niveau international, je crois que vous pouvez leur redonner une rasade d'applaudissements.